Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... Wouah ! D'accord, ok. De Far Cry 5. Je pensais que je devrais... IOVG, l'Estatus a un gros morceau de ciment. Va falloir une arme lourde pour la bousiller. Ah, compte sur moi ! Oui ! Ouais, t'inquiète, je vais trouver Simone. Pas te mentir. Voilà. Putain. C'est fait. Votre grand nettoyage depuis la prison. Adieu, grosse merde en béton. Si vous voulez encore foutre le bordel, j'ai une idée. Face planque son exemplaire perso des délires de Joseph dans cette horreur. Grimpez dans la statue et brûlez ses feuilles. Aïe, oh bah merde. Je m'accroche à la vie. J'ai été snipé en plein saut. Encore devoir se reposer. Putain. On peut voir votre grand nettoyage depuis la prison. Adieu, grosse merde en béton. Hop là, allez, bas les couilles. J'ai une idée. Face planque son exemplaire perso des délires de Joseph dans cette horreur. Grimpez dans la statue et brûlez ses feuilles. Montrez-lui ce qui arrive quand on s'en prend aux mauvaises personnes. Merde, j'aurais pu me poser en haut, j'ai été bête. Vous verrez des échelles qui permettent d'arriver en haut. Trouvez les leviers et actionnez-les. Ça les abaissera. Je bouge, je compte sur vous. Mination au fusil. Putain, il est rapide à charger en plus. Oh. Hop là, décède. Ouais, je sais, tout le monde me dit ça. Allez, on continue de grimper, c'est où? Ah oui, d'accord, autant pour moi! Parti! Levez la tête, il y a des hélicos qui arrivent vers vous! Fanatique en moi! Pardon! Pardon! Désolé, c'est moi qui t'ai tiré dessus, je reconnais! Oh, me fais pas la gueule! T'es aussi sauvé, hein! Il a pas eu. Hop là. Je sens que je vais l'aimer ce. Ah, je me dis merde, il saute pas. Hop là, pardon, excuse-moi, j'avais oublié de t'achever. Oh, crocheté. Qui est-ce? Hop là, dégage. Ah, c'est pratique, hein. Depuis le temps que j'en voulais un. Continue à me couvrir, bonhomme, hein. La chose, c'est que j'ai pas beaucoup de balles dans celui-là. Oh bah... On grimpe, hein. Allez. Ah mais ça vaut le coup de venir, hein. Ça vaut carrément le coup de venir. Oh. Allez, j'aurais pu faire une animation quand même. Enfin bon, c'est mon avis. Enfin, pour 250$ à chaque fois, tu me diras. Bye bye, fanatique de merde. Il est pique, lui. Il est en forme, il est en forme. Wouah. Et grimpe. Oh putain. Là. Et puis là, tu me sors une animation. Non, mais lol. Ok. Oh, ça me rappelle l'ancien Far Cry. Enfin, l'ancien, celui d'avant. Oui, je veux bien grimper, s'il te plaît, merci. Mais qui est-ce qui répond? Tout ça pour ça?
Alors, je suis pas du tout d'accord avec ce que cette personne vient de faire. On ne brûle pas un livre, selon moi. C'est mon point de vue. Je suis désolé si ça plaît pas à tout le monde, mais c'est mon point de vue à moi, perso. Et je ne tolère pas ce genre d'exaction, malheureusement. Joli. Oui, écoute, je vais le faire. Mission 1, détruire le sanctuaire des Dance Gate. 8 sur 16. Ok, pas de soucis. Alors, je me trouve un hélicoptère et puis je suis tout à toi. Boum. Et... Boum. Et boum. Une de plus, désolé. Aïe. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'aimerais bien comprendre. Mais au moins je l'ai eu. C'est cool. Mais je me demande si c'est parce que j'ai pas enchaîné trop de kills accidentels sur les civils. Ne tuez pas les civils. Voilà, c'est peut-être ça, finalement. On n'est pas trouvé d'autres et on est sur la route d'un truc ici. Et moi je cherchais un autre terme, mais j'ai pas trouvé. On est presque dans Fortnite avec le bus et tout. Ok, donc en fait, ça fait plusieurs fois que quand je fais ça, je me bouffe littéralement les pales de l'hélico. Mais c'est pas grave. Bonjour. Je suis ton ami. Bim, 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 bim. Je suis ton ami. Mais tu te calmes. Je vais mettre un peu de musique pour me faire un barbecue. Ah bah cool. Je veux bien. Charlemagne. Tu peux aussi m'appeler Charqué. Ouais, pas de soucis. Au disco inferno. C'est le seul endroit où je peux être moi-même sans être emmerdé par mon agent de probation ou des témoins ou des agents des forces de l'ordre comme toi. D'accord. Et je peux laisser parler les flammes et le chaos en quel but. Sans m'inquiéter pour l'environnement. Enfin, là, j'ai un fut. Ok. Mais tu sais, à tout moment, il peut disparaître. Hein. On va savoir ce qui peut se passer. Ouais, genre, il brûle. Je suis prêt à cracher la meilleure musique jamais créée à 110 décibels. D'accord. À chaque fois que je le pousse à fond, les anges de la secte débarquent à toute vitesse. Et j'arrive pas à savoir s'ils aiment ou ils détestent. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de leur faire fondre la gueule. Et t'en fais pas. Ok, pas mal. Les anges ont déjà le cerveau en friture. Je leur fais juste l'honneur de les envoyer au paradis du disco en beauté. T'as envie de m'aider? Bah écoute... On s'éclate et ça restera entre nous. Tu peux même enlever ton froc si tu veux. Et j'en porte pas. Je vais lancer le et les faire danser au lance-flammes. Et toi tu prends ton... je sais pas ce que t'as sur toi là... On va griller des culs. On va griller des culs, on va griller des fesses. Ouais, vendu. Vendu. Génial comme mission pour entraîner. Oh non, mais reste là, bute-les. Allez. Au suivant. Ah, ah, c'est chaud. Hop là. Hop là. Oh. Oula, il sait pas ce qu'il veut lui. Oh. T'as une quoi?
T'as dit quoi là? Non, c'est pas lui qui me fout le feu le plus souvent. Ah mais bute-le quand même. Ah bah, bon bah c'est bon. T'as fini, c'est tout? Ah vas-y, arrête. Non? Merde. Tata Adélaïde? Bon, tout le monde en parle de l'Adélaïde. Hein? Il faut que je les éteigne, t'es en train de dire? Hop là, et de 1! C'est mon hélicoptère, je le reconnais. Oh! Oula, ils sont nombreux là! Hop là! Allez! Ok! Ok! Tu me couvres, hein? T'es pas mine! Bon, attends bien! Je continue. Putain, ça me fait plus le nez maintenant. Ouh. Hop. Luc 2. Continue à me couvrir. C'est très très bien. Ok. Oh, mais je fais ce que je peux, hein. Aïe. Oh, yo, oh, c'est pas... Eh ben attends. Hop. Ah, rigolo toi. Oh. Ok, carte des cascades. Hop là, t'es fini. Wouh. Tant bien que mal. Mais bon, on a réussi. Pour les mecs qui, à mon avis, n'étaient pas même pas censés être là. Ouais. C'est bon que tous les flics soient pas comme toi. Qu'est-ce que je peux te dire, amigo? Toi et moi, c'est l'oxygène et le gasoil. On fait un putain de mélange. Ouais, t'as raison. Faut que t'y retournes. Appelle-moi la prochaine fois que t'affrontes des anges. Pas de soucis. Et c'était juste ça la mission d'expert, j'imagine. Allumez le feu, big up au patron, hein. Voilà, c'est ça. Ajouté dans le groupe. Ok. L'incendiaire. Vendu. Si on m'avait filé un dollar à chaque fois que Sharky Beauchamp foire une cascade à la mort moelle-neu, je serais millionnaire alors qu'il est. Après, il est vrai maintenant, et il déteste Eden's Gate. Enfin, faut pas faire la fine bouche, quoi. Ouais, mais on t'a fait un copain en plus, quoi. Oh, le tir synchrone de Wildland me manque. Hop là. C'est fait. Pauvre bête. Il y a des chiens partout. Ok, bon bah, on va aller voir ça directos, hein. Les fanatiques se sont emparés de ce camp de vacances. Ils ont rempli le chalet d'équipement et rassemblent des chiens de garde. Je peux pas les affronter sans aide, alors j'ai fait une autre chose. J'ai volé le passe-partout et je l'ai fait bouffer à l'un des klebs dans le bâtiment principal. S'ils veulent récupérer leurs affaires, ils vont devoir attendre qu'ils le chient. D'accord. Oui. Tu puces, ouvre. Salut les... Ah bah merde, il est con. Salut les chouchous. Bon, y'a plus qu'à chercher le caca partout.
Ah, caca! Oui, carte magnétique du camp de vacances! Oui! Et ça m'aide à. Ça m'aide à faire quoi? Merde, ils m'ont eu! Ok. T'es pas un coup. C'est un chien. Non, c'était un chien. Non. C'était un chien, tu te calmes. Ils sont tous sortis. Ah, oh, c'est génial, j'ai l'impression d'avoir bien. Je vais retrouver la cache. Arrête de vouloir flinguer tout et n'importe quoi. Un. Qu'est-ce que t'es? Carcajou, d'accord. T'es un glouton. Je bouge, je compte sur vous. D'accord, carcajou dépecé, génial, on a un point. Oh, y'a un bonhomme. 2 points de reçu, pardon, autant pour moi. Faut pas la voir. Même truc que mon arc. C'est vide. Là, 3 points de talent. Génial. Là, du fric. Tellement de fric. Encore plus de fric. Et tout. Il en reste pas une ou deux? Bah voilà, il en reste une. Genre, tu auras rien mis dedans. Oula. Et la drogue, c'est fini pour moi. Elle est partie, fesse, hein. Je me suis occupé de ses fesses, sa fesse. Oh bah voilà. Bon, du coup, on est au niveau d'un avant-poste, chers amis. Hey, je suis dans ton camp. Tire pas. Attention. On est au niveau d'un avant-poste et on va essayer de se le faire le plus silencieusement possible. Tu peux revenir ton souffle, s'il te plaît? Allez. Tout va bien. Ok, bon bah l'avion s'occupe des autres. Et voilà, génial, on a géré sa maman, la marine. Ah, mais la marina, y'a pas quelqu'un ici normalement, la marina? Oh, il est avec Pupus cette fois-ci, oui, j'allais dire Pépèche, mais non. Pupus, merde. Wouah. Oh, c'est symbolique, c'est symbolique. Faut exagérer non plus, hein, mais... Mais c'est symbolique, je comprends la chose, là, pour le coup. Alors voilà, c'est ça que je cherche, en fait, chers amis, c'est tout ce qui pourrait nous rappeler un endroit où il pourrait y avoir des hôtels. Les hôtels ennemis, vous savez, hein, les hôtels censés être occupés par l'ennemi. Pour l'instant, il n'y en a pas de plus à l'écran. Bien emmerdé,
Salut bonhomme. T'as de la gueule, dis donc. Nouveau personnage découvert. Ah oui, ici. Tiens, la star du moment. Approche, trésor, c'est important. Xander, c'est pas le mec qu'on a vu au carrefour routier, là, au machin... Ravi de faire au driver, là Drive-in. C'est gentil de m'avoir aidé à récupérer ma marina, mais j'ai un autre problème, trésor. Donc j'ai tout fait, en fait, hein. Ces enculés de fanatiques... Ok, non, il y avait l'avion. Mon tulipe. C'est l'engin le plus rapide de ce côté du Montana. Ah. J'ai pas l'intention de laisser ces rapures de bidets me le voler sans rien dire. Je l'ai reçu pour mon divorce, cet hélico, en toute légalité. D'accord, pour son divorce. Dégénéré qui me l'a volé, l'arpent avec cette horrible couleur mayonnaise des tarés. Alors pour le retrouver, tu vas devoir identifier le pilote. Ça devrait être assez simple. Tous les autres hélicos du coin sont pilotés par des femmes. Avant, les week-ends, on volait ensemble. Mais notre amitié est partie en couille quand ces pauvres débiles ont rejoint Eden's Gate. D'accord. Alors ça me dérange pas si jamais tu leur exploses la gueule par accident. Je vois, oui, par accident, bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit, trésor ? Aide-moi. Et mon tulipe et moi... On viendra te chercher quand tu vois. Ah, ça m'intéresse. Ok, trouver le pilote, on est à l'intérieur de la zone de recherche. Je vois un fanatique là-bas. Mais bien sûr. Et où ? Où ? Vous êtes tués, bordel ! Oh merde alors ! Bien joué ! J'y vais ! Dis, trésor, oublie pas ! Oh, il est bien ce shotgun ! D'accord, merde, c'était une femme. Ah bah, c'est le pilote, là, pour le coup. Trésor, si t'es en face d'une femme pilote, c'est que c'est pas mon tulipe. Abat cette salope et continue à chercher. C'était pas elle. Dommage. Ça m'aurait bien plu que ce soit elle. On approche de Raptor Peak. Attendez qu'il approche, qu'il s'est lancé. Wouah ! Et on approche de la plus grosse agression du monde. J'aurais presque dû tirer au shotgun pour voir si ça le calmait sec. Ok. What? Oh putain. Bouge, couvrez-moi. Je me fais massacrer. Par quoi? Officier, à l'aide. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Seul, gros débile. Mille merci. Mille merci, oui d'accord, ok si tu veux. Parle-moi comme un petit vieux, y'a pas de soucis. On voudrait, c'est tout. Allez. Hop là. Il est là. Je sais pas où t'es, saleté. Allez, viens, je t'attends. Désolé,
Il est juste là, regardez. Rien à dépecer. Hop. Et ça va me faire deux aigles. Génial. Hop, les aigles dépecés. On est trop balèze. T'inquiète pas, je vais t'avoir aussi, hein. Comme... Merde, il y a du monde. J'avais imaginé qu'il y ait autant de monde. Vache! Oh, ce qu'ils lui ont mis! Et de 1! Et de 2! Aide-moi! Pleure pas, hein! Merci beaucoup. Ah. Ah. Bien joué. Boum. Ah. Aïe. C'est bon. Ok. Voilà qui fait littéralement un paquet d'aigles, plus que je ne peux en transporter. Wouah! Vous êtes à l'intérieur de la zone. Oui, bah écoute, on l'a pas mal non plus, hein, pour être tout à fait honnête avec toi. Ok, c'est bon, c'est fait. On a trouvé l'endroit. Je te pille, hein, Simone. Stewart, disponible dans le menu de... D'accord, ok, si tu veux. Oupidoupidou. Bon, sinon j'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si c'est pas fait, chers amis. Je sais que ça arrive un petit peu tard dans la vidéo. Je sais même pas du tout combien de temps elle va durer. Je suis déjà à plus d'une heure et quart de tournage. Mais bon, avec les gros blancs que je fais entre deux choses, souvent, localiser l'hélico d'Adélaïde depuis le point d'observation. Ah d'accord. Voici, on a découvert plus un point d'observation qu'un. Ok. Et le fil en fait. Hop. Bah le v'là déjà. Lui broyer les noix. What? Ok. Là je me sens très très mal. À moins que s'il se pose là-bas. Hein? Bah c'est dit, s'il se pose. Je vais le shot, mais alors de manière... Couvrez-moi, faut que je bouge. Ok, il vient de se prendre une balle de snipe, mais apparemment... Oh. Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ah. Oui. C'est bien mon gars, on y retourne. Oh mais non, mais je peux pas être si mauvais. Oh. Comme si c'était fait. Hop les, boum. Bon, ça aurait été plus. Premier arrivé. Et bah putain. Ça aurait été un peu plus difficile que prévu, hein. Soyons honnêtes, hein. Je suis pas mort, c'est faux. Ouais, bah ça ressemble énormément à mon hélico. Tu veux bien venir? Après toi, officier. Allez, on y va, c'est parfait. Elles envoient la purée, tout comme j'aime. Oh, la grosse dégueulasse.
Ok, apparemment on a réussi à le ramener. Je pensais qu'il fallait le poser, mais non. Ah non, mais madame se fait agresser, d'accord, ok. Par contre, je veux bien. Viser correctement, ça serait cool. Allez! Allez! Et? Hop! Allez. Hop, l'hélicoptère est posé. Il faut que j'aille parler à Delaïd. Bonjour. J'ai le compteur qui s'emballe là. Ah. Nom d'une paire de miches en silicone. T'arrives pile à l'heure pour les réjouissances et tu me rapportes mon tulipe en un seul morceau. T'as vu ça? Sans mourir une seule fois. Donc, si t'as besoin d'un pilote capable de dégommer les noix d'un écureuil à 15 mètres, n'hésite pas. Appelle-moi quand tu veux. En plus, elle se bat au sniper. C'est l'heure où Xander fait son yoga. Et j'aime bien regarder. Tu sais pas ce que tu rates si t'as pas vu son petit cul en posture du chien. Oh. Oula. Encore merci, lapin. Je te revaudrai ça. Ouais. Ouais, bah, vous ne se sentez pas obligé, tu sais quoi? Je monte dessus, voilà, hop, voilà, je fais le demi-tour. Voilà, hop, et on est bon. Cauchemar pour l'environnement. Elle est particulière. Avec les flingues, elle se déplace toujours avec son hélicoptère. C'est une recrue de choix. D'accord, ok, pas de soucis. Du coup, elle nous a permis de débloquer aussi une perk. Normalement, voilà, qui est... voilà, qui est celle-ci. Et qu'on va prendre, donc il permet d'avoir en fait deux personnes avec nous constamment, ce qui pourrait être utile. Quoi qu'il en soit les amis, on va se laisser là pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Et yop, c'était un sacré jouet. Et les poissons ils flottent maintenant? Non bah non, tant pis. Salut!